Panzer. Hey tout le monde, c'est Daka, comment allez-vous? Écoutez-moi, ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le Obscur Clan. J'espère que vous allez bien, moi ça super. Pour vous commenter ce tout nouveau gameplay qui envoie vraiment de la patate. Ouais, on s'excuse parce que c'est encore du Nuketown, c'est vu et revu et revu et revu. Mais quand même, c'est un très beau gameplay de la part de Rax Player, un tout nouveau joueur de l'Obscur Clan. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube qui sera en description. Il a seulement 63 abonnés, donc ça me ferait tout autant plaisir qu'à lui si vous alliez s'abonner à sa chaîne. C'est pas français, mais on s'en bat les couilles les gars. Donc voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Ça serait sympa qu'il atteigne les 100 abonnés, même si ça serait très difficile. Donc voilà, merci de votre compréhension. Donc le gameplay, c'est une double nucléaire en solo, donc n'hésitez pas à le féliciter quand même du solo, c'est quand même assez joli. C'était en simple, il me semble, je dis peut-être une connerie, mais non, c'était en simple. De ce qui est du sujet, je vais vous expliquer une solution pour tout simplement avoir gratuitement le Season Pass de Black Ops 3 ou encore n'importe quel jeu disponible sur le PSN ou même peut-être le Season Pass d'Infinite Warfare lorsqu'il sera disponible et même pourquoi pas avoir le jeu carrément en précommande gratuitement. Vous allez dire, ah, mais c'est quoi ce truc? C'est encore une arnaque, mais tu nous fais chier Darka avec tes arnaques. Je vais vous expliquer ça, c'est vraiment très simple. Ça va sûrement décevoir quelques personnes. Voilà, déjà faut avoir des amis pour faire cette astuce. Donc déjà il vous faut un ami qui possède déjà le Season Pass ou le jeu que vous êtes intéressé. Et ensuite vous allez lui demander son compte, son mot de passe, son adresse mail. Vous allez ensuite vous connecter à son compte avec votre PlayStation, ça paraît logique. Après que cela est fait, vous aurez juste à lui demander de se déconnecter du compte. Cela étant fait, vous devrez demander à votre ami de mettre son compte de PlayStation en secondaire. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça pourquoi. Donc je vais vous afficher sûrement un screen de comment faire, c'est vraiment très simple, c'est dans les paramètres. Et ensuite, une fois qu'il aura mis son compte en secondaire, sa PlayStation en secondaire, vous devrez faire la même manipulation, sauf vous devrez mettre votre PlayStation, votre compte PlayStation en principal, encore une fois, avec le compte qui vous a donné son compte, qui possède le Season Pass de Black Ops 3 par exemple. Et après ça, vous aurez juste à aller sur PlayStation Store et vous allez voir les achats qu'il a effectués sur PlayStation Store. Et tous les achats que vous avez effectués, vous allez apercevoir les téléchargements et vous aurez juste à télécharger les achats qu'il a fait, par exemple le Season Pass. Ou s'il a précommandé le jeu, bah vous aussi vous pourrez télécharger le jeu une fois qu'il sera disponible. Donc voilà, c'est une astuce vraiment très con, peut-être que vous la connaissez déjà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'oubliez pas le petit like et le petit commentaire. Moi je vous dis peace les gens, c'était Darka. Bye, à bientôt.